à l'origine du sikhisme, Guru Nanak, et ses 9 successeurs. Ils ont tous contribué à la rédaction du livre saint du sikhisme, et le livre est devenu le 11e gourou, sous le nom de Guru Granth Sahib. Le livre est considéré comme un homme à part entière, et c'est à ce titre qu'il dort dans un lit, mais aussi qu'il peut mourir, auquel cas il sera remplacé par un nouvel exemplaire, imprimé à Amritsar. Nanak naam japat sukh paava Nanak naam japat sukh paava Japat sukh paava kar ke pa tere gun gaava कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा Amritsar est la Mecque du sikhisme. Le temple le plus sacré de cette religion est le Harmandir Sahib, nommé aussi temple d'or, parce qu'il est recouvert d'or fin. Le temple a été construit en 1601, par le cinquième gourou, Guru Arjan, à l'endroit même où Guru Nanak, le fondateur du sikhisme, venait méditer. Tous les jours, au coucher du soleil, Guru Granth Sahib est porté en procession jusqu'à son lit, où il passe la nuit.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। Gurdwara sont les lieux de prière et de réunion des Sikhs. Celle d'Amritsar est située juste en face du Temple d'Or, et est l'une de cinq gurdwaras principales du sikhisme, nommée Takht, ce qui signifie « trône en persan ». Dans le sikhisme, le partage est une valeur importante. Dans toutes les gurdwaras, des repas végétariens sont offerts à toute personne, sikh ou non, qui désire participer au repas en commun. La logistique pour offrir ces milliers de repas quotidiens est impressionnante. Voici quelques images des cuisines de la Gurdwara Akal Takht, à l'heure du repas.
Harmandir Sahib, ou Temple d'Or, au lieu saint du sikhisme, fut détruit et reconstruit à plusieurs reprises. Sa destruction la plus récente eut lieu en 1984, lorsque la première ministre indienne, Indira Gandhi, ordonna une grande opération militaire afin de déloger des indépendantistes sikhs qui s'y étaient retranchés, ainsi que dans la gurdwara proche du temple. Le bilan de cette opération s'élève officiellement à 493 morts et 86 blessés sikhs et 84 tués et 248 blessés parmi les troupes assaillantes. C'est également cette attaque qui a conduit quelques mois plus tard à l'assassinat d'Indira Gandhi. Oh.